Hey, salut les amis, c'est Fifou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de The Medium. Ah bref, j'arrête mes conneries, ouais voilà. Bon, on se retrouve donc sur The Medium, la suite de nos aventures. Là, on était coincé et super. J'avais pas fouillé cet endroit. T'es sérieux? Depuis le début, il y a la poupée qui est là. Et le jeu qui se fout littéralement de ma gueule. Putain, c'est dur. Ça fait mal. Voilà, on sait où la placer. Quoi? Et non. Focus. Vas-y. Voilà. I got the power. Ouh. Bref, maintenant elle a le pouvoir. Je vais pouvoir justement aller sur le monde d'en bas. Je vais l'appeler comme ça. Faire le tour, remettre l'électricité. Bon, ça va. Les énigmes, c'est pas non plus ultra hardcore. J'arriverai à me démerder. Hein. Je vais pas vous mentir que ça va. Voilà. Maintenant ça fonctionne, je vais pouvoir utiliser ça. Et récupérer le truc qui est là en bas. Voilà la poignée. Et décoincer cette porte. Bordel. Quelle invention incroyable le cri que je vous le dis. Was this the red house? Ah ouais, c'est la maison rouge. This was the place. The answers were right in front of me. Buried among the ashes. There's gotta be something left. Les réponses par rapport à quoi? J'espère pas. En tout cas, si tu y étais, tu as survécu, hein. Félicitations. Mais là, elle peut pas y aller normalement. Mais ouais, c'est ça le truc. Je ne peux pas y aller. Comment ça se fait? Ah, mais je crois qu'il y avait aussi un truc par ici. Ouais, là. Damn freaks. Think you're so special? You'll burn just like the rest of us. Jesus. Who the fuck is that guy? Ben, putain de pyromane. Il a la bonne idée de brûler des maisons où il y a des enfants à l'intérieur, donc voilà. Un bon gros fils. Y'a rien d'autre. Sinon là, je suis un petit peu coincé. Déjà, je suis sorti de cette maison, c'est déjà pas mal. Je m'attendais à ce que je fasse limite un let's play rien que pour sortir de cette maison. Le Cerbère. Ah, j'ai trouvé un truc. C'est le briquet, c'est ça? Ah!
perso, un briquet m'a jamais fait cet effet, hein. Mais ok. Ok, let's see who you really are. You fuck. Locked up tight, huh? You wanna give it a go? Be my guest. Nah, this one's all yours. I'd like to think I'm more of the brains of the operation. Hey, I got an idea. Why don't we... or that? Yeah, or two, I guess. Right. What do we have here? Fuck. I knew he was trouble. Security service. That little shit. That's no way to talk about a government agent, comrade. Wake up, comrade. Oh putain, doucement pour le réveiller. Bah ouais, il est de mauvaise humeur maintenant. You don't know who you're messing with, kid. Oh, but I do. I've spent a lot of time getting to know you, Thomas. In fact, you're kind of a pet project of mine. Oh yeah? What's my speedo size? Funny guy. Oh, I love this one. You like it too, comrade? Fuck you. Let's play a game. It's called What Makes Thomas Tick? So, the Nazis found you in Warsaw when you were, what, 3 years old? Oh, they were gonna kill you, but they didn't. No, they saw your potential. Putain, tu vas le torturer? They wanted to harness it. But then... The war's over. In comes the heroic Red Army, and... They locked me up for years. Fucking savages. They do important scientific research. Find out what it is that makes you special. And what is that exactly? Ask your mom. Ah ouais, les blagues sur les mamans, quoi. Hurting people like those scientists. What were you? 18? I saw the photographs. I know how to make a man hurt, but I gotta say, I was impressed. Stick around. I'll give you a live demonstration. And there you were, free at last, but always on the run. And look at you, you almost made it. But you had to use this power of yours again. And on whom? On your... best friend, Richard. You had it coming. Yes. I know you wanted revenge, I understand. I would do anything for my child, too. Whatever it takes. Leave my children out of this. Children. Yes. How much pain would you endure to keep them safe? What would you sacrifice for them? Your freedom, maybe? Let me go, you piece of shit! That's what I thought. I'll let you go. But first, I want you to tell me all about these powers of yours. Then earn it! Come on! Enough of this sissy shit! Hit me! I thought you'd never ask.
K.O. Have some rest, Thomas. The next time you wake up, the real pain begins. C'est qui ce gars? Wake up, sleepyhead. Time's running out. What did you do? Here. See yourself. No! You're sick! Fuck! Let me out of here! Let me out! They're still in there, Thomas. Will you show me now? Ça t'apprendra à être curieux, là, l'agent du gouvernement. Che, j'espère qu'il t'a bien massacré. Finally, I thought he'd never give us a chance. Okay, gotta move fast. Thankfully, this place has a way of messing with the time flow. I still got a chance to save them. Oh, je reprends le contrôle de Thomas. All work and no play, are you, Henry? All right. Let's see what makes you tick. No way across. Guess I'll just make my own. Ok, trop puissant. Fuck. Ouais, j'allais le dire. Ouais, on dirait que t'es pas seul, ouais. En tout cas, ça s'entend. Putain, c'est quoi ce clébard? Si on peut appeler ça un chien. C'est un cerbère, le machin. Mais c'est ça, fais du bruit, bordel! Attire-le! Oh putain, j'ai failli m'endormir. Ah, les salles d'interrogatoire à l'ancienne. Enfin, à l'ancienne. J'imagine que c'est encore comme ça aujourd'hui. There you are. At least the part of you I'm after. Ok, rien d'autre. Une bande magnétique. Très bien. Dossier, nanana, nom de code Boucher, suspect Jacob Wilk, soupçonné de vol, fraude, commerce illégal. Enquêteur Henry Wilk, agent en chef. Ok, carrément, agent en chef. Do you know why you're here? I'm not playing your games, Henry. Don't. Call me that. The agency was led to believe you've been stealing meat from the working people of the Republic. Where would they get that idea, I wonder? You've been a very bad boy. Let's just get this over with. Given your line of work, you had ample opportunity to commit your crime. It is a crime against the people. P-
punishable by death. Anything to say in your defense? I'm sorry, Henry. Ah, ça se finit comme ça? Ok. Ah, là maintenant la porte elle est ouverte. Là, j'aime bien les dialogues. You're a bad boy. You're a good boy. Tu sais, il parle comme si c'était des canidés. Normalement, c'est plutôt aux chiens quand ils font des trucs. Quand tu les éduques, tu leur dis ah, good boy. Sauf que là, bon, bah, c'est pas vraiment des chiens. Ah bah merde, en parlant de chiens, c'est vrai qu'il y en a un qui est par là. Ouais. Là, Bobby, il a pas l'air très joueur. Shit. Ah, la fonction mute du micro, c'est tellement incroyable. Vous m'avez pas entendu éternuer comme un gros porc. Heureusement pour vous. Ticket de rationnement émis par le gouvernement de la République populaire de Pologne. Ça a pas l'air hyper propre. Perso, je consommerais pas trop la viande qui sort d'ici. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Ça a pas l'air très frais en fait. Alors là, je viens de voir en bas à droite qu'il y a un truc, l'enregistrement automatique. La sauvegarde plutôt. Ah là, je peux rien faire. Don't you hide from me. J'appuie sur le bouton pour me cacher et je peux pas. Where? Come here. Fuck. Vas-y, dégage. Avec ta vieille lampe torche. Bad boy. I'm not the bad boy. There you are. Bad boy, bad boy. What you gonna do? Alors attendez, L1, je peux faire un truc, mais ah, je peux appuyer sur R1. Where are you, boy? Bad boy. Qu'est-ce qu'il a fait? Merde, je peux rien faire. Ah! Dégage, 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 dégage. Je peux partir par là. Come here. Ah, putain, c'est affreux. T'as la vision d'horreur. Bah, c'est normal, tu sais que je suis là. Tu m'as déjà vu, je sais pas combien de fois. Je suis mauvais. Je peux pas me cacher. Je peux me protéger avec R1. Ah oui, avec R1, je peux faire des genre des contres. Là, il y a un truc. Alors désolé s'il y a des végétariens qui sont en train de regarder la vidéo, hein, c'est rien contre vous, hein. Et gros respect. Mais là c'est le jeu qui veut ça. Même moi ça me met un peu mal à l'aise. «
Là, on a découvert, hein. Là, y a rien. À part des petits bruits de cochonnet. Une main ferme, sans à-coups, dans le sens contraire des fibres, toujours, jamais autrement. Y a rien d'autre ? Ah si, là y a un truc. Yeah ! J'ai le pouvoir. Je peux aller exploser la porte qui se trouve à l'entrée. Putain, encore lui! Parfait, quel athlète! Tout est dérangeant dans cet épisode. Les bruitages, les cris. Même l'atmosphère. Ah! Merde, en plus j'ai mangé il n'y a pas longtemps. Je me sens pas bien. When you do as you're told. Deux. Putain. Carte d'identité. Nanana, nanana. Ministère de l'Intérieur Henry Wilk, agent des services de sécurité. Ok. Le patriotisme avant la famille. Blablabla. Bla, bla. Ça sert à rien. Bon, visiblement, j'ai rien raté. Et je peux pas sortir par là. Qu'est-ce que tu fais? Ah putain. Eh, hey, mais je suis bloqué par une chaise. Sérieux? Je suis censé avoir des pouvoirs de fou. Alors, il est toujours là. Let's see how that works out. J'ai pas fait gaffe si l'heure de l'horloge elle a changé. Bah là, je peux rien mettre de plus, il y a rien. Ah, je suis bloqué. Ah là, je crois qu'il y a... Attendez. Ah non. Je croyais que je pouvais interagir avec le moniteur, mais pas du tout. Et là, on a... Ah mais j'ai rien raté. Et j'ai... Moi, je peux pas sortir par là. J'ai sûrement raté un truc quelque part. Là, putain. Vilk, is it?
Henry Vilk? What's this about? Straight to the point. No fear, no hesitation. If you wanted me dead, I'd be dead already. So, what do you want? I want to offer you a job. I'm listening. I've been doing this a long time. I've come to know people. See what makes them tick. See their potential. Agreed. On one condition. Huh? The work I do for you, it stays at work. That's the way we like it. It has to. If it doesn't, I'm holding you accountable. Welcome to the family. Ok. Après, vous savez ce qu'on dit, hein. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, hein. Bros before. Bah, le chien, il a l'air de s'être endormi. Vous sentez mon karma? Vous le voyez arriver là, le chien. Non, non, c'est bon. Non, non, il y a toujours des bruitages qui sont chelous. Non, non, non. Il y a un truc qui m'attend. Oui, bonjour. C'est juste pour vous dire que je peux pas me défendre, donc s'il vous plaît, laissez-moi tranquille en vous remerciant. Signé la direction. Toujours aussi discret. You ever heard of Neva? Affectation spéciale pour commandant Henry Wilk. Personne, nanana, pas de bavure, pas de vague. Montrez votre traitement et ses fruits. Présentez-vous à votre officier traitant. Ouais. Du blabla. Sujet numéro 42. Le sujet persiste à manifester de puissants pouvoirs surnaturels. Il prétend qu'un autre, censuré, lui parle et lui transmet des visions, théories, pratiques. Lien possible avec censuré, peut-être à la suite d'une expérience de mort imminente. D'autres tests devront confirmer ou infirmer la théorie dissociative. Ah, le voilà! Il est de retour! Bad boy! Couché! Oh putain, il y a eu la sauvegarde automatique en bas à droite. J'ai vu! Ouais, fais chier! Séance numéro 43, la séance du jour a été interrompue avant terme pour cause d'un incident dans la salle de test. Lors de l'administration des substances prescrites, le docteur censuré, scientifique et en chef, a été en contact cutané direct avec le sujet censuré, a aussitôt été hospitalisé. Malgré l'absence de traumatisme physique, il est entré dans un état végétatif dont il n'est pas encore ressorti. Les sessions ont été suspendues indéfiniment. Le docteur censuré.
Ça me fait marrer, c'est le nom incroyable. Ouais, tu vas chez qui? Ouais, je vais chez le docteur censuré, il est incroyable. Salut, salut. Non, lâche-moi, lâche-moi, je suis pas ton pote. Séance numéro 44, pendant que l'autre il est en train de limite me choper. me souffler de l'air dans la nuque là. Moi je suis en train de lire tranquille. Rappel pour la séance reprogrammée du jour. Malgré une augmentation de la posologie, le sujet demeure extrêmement dangereux et doit être maîtrisé physiquement comme mentalement pendant toute la durée du test. Des mesures de sécurité renforcées s'appliquent. Il parle du chien là. Il parle pas de. Et tu sais qu'à un moment il faut que tu te presses un petit peu parce qu'il est pas très loin. Ah oh putain. Il m'a pas vu. Fuckers everywhere. Gotta watch my step. Après, on n'a pas vraiment encore vu la gueule du truc, là, si on peut appeler ça un chien. C'est pas un chien, il a une tête de mort, le machin. J'ai pas compris ce qui s'est passé, mais apparemment, c'est ce qu'il fallait faire. Tant mieux. Mais quel acrobate, putain. Ouais, c'est pas passé loin et il m'a pas fait flipper, hein, ce connard. Putain, il m'a surpris, en fait. J'ai cru qu'il allait m'emporter et tout. Ça le prix à quatre pattes, c'est tellement ça. Je suis tout à fait d'accord avec tes propos. Can't get me up here, can you? Fais pas ton malin, bordel. Vas-y, vas-y, vas-y. And stay the fuck down. Ah putain, il l'a dit ça avec une voix tellement agressive. Stay the fuck down. Yeah. Couché, good boy. Voilà la porte qui va nous libérer. Mom, daddy, me. Ok. Libéré. Délivré. En fait, non. I'm going away tonight. Business trip. Short notice. Couldn't be helped. Why don't you say goodbye to him? I'm not sure if that's a good idea. I have work on my mind. I see. Then again, maybe I should. Do you think I should? Whatever you wish, dear. Ouh, ça c'est une phrase piège. Quand elle dit tu fais comme tu veux, chérie. Ouh là là, jamais, tu fais jamais comme tu veux. Simon, where are you, boy? Dad? Ah. Hey,
you going away again? Daddy has to go to work. Once I get back, we can go fishing. You'd like that, wouldn't you? I don't like it when you go. I know. But sometimes Daddy needs to work. It's good for all of us. You understand, don't you? Yes, Father. Uh-huh. Don't worry, kid. This'll all be over soon. Bah, il est immense le bâtiment devant. En vrai, ça a de la gueule avec la lumière rouge et tout. Hello, kiddo. You're just in time. That's right, kid. Just come to me. I'll put an end to it. I'll set you free. No, it won't let us leave. The monster, it's... Don't worry about the monster, kid. I'll deal with it. I'll put it down for good. Not if it puts you down first. What did you say? Mais ouais, t'es qui? Oh putain. Dur! Your tricks won't work on me, old man! Ça a dû faire mal. Remember? It's him. It was always him. Thomas. Oh putain, vas-y. Qu'est-ce qu'il fout là? To kill us. What did you do to her? What did you do to Lillian? I was already dead. Your father made sure of that. I'll marry Anne, forgot her old
who killed her! I saw her ghost! What happened to her? Beatrice! Was it the nurse? The painter? The monster from under the bed? About. He wanted to save us. To save her. Maybe. In a way, that's exactly what he did. This is fucking madness. This place. It reeks of it. Madness. Ils appellent ça un rire sinistre, si vous voulez. Then it's about time to clean it up. Once and for all. Elle l'a appelé Henri? Thomas Rekovich. My father. Was he the man on the pier? The man with the gun? The murderer from my dream? How could he? Why? I needed to know what happened after the fire. What happened to them. To me. Trouver un moyen d'arrêter Henri, c'est bon. Là, il y a un truc. Avec le crâne, non? Enfin, c'est pas un crâne. Je sais pas ce que c'est. Ok, Marianne. Focus. This was your home once. There's gotta be something here. All right. Let's see what's on the flip side of this. Waouh, de l'autre côté du miroir. Toujours aussi croustillant ces moments-là. On doit découper la chair. Why do I feel that's not all you are? C'est clair, ça doit cacher quelque chose. Strange. It's like feelings etched into the wall.
Des sentiments gravés? Là, t'es sûr? Oh, visiblement, y a rien d'autre. On peut repartir. The dollhouse. It's open. All burnt up. But I can still make out some of it. Mais t'as récupéré un papillon? Ah bon, bah, ok. It looks like a replica of the actual house. J'avoue. A tiny mirror. I wonder. Tu te demandes quoi? Ah, j'ai capté le machin, ok. Strange. It feels like something shifted. A family photo. It's sad to see it like this. Left behind. Forgotten. Ok. Je vais la récupérer pour l'instant parce que je pense qu'il doit y avoir un endroit où je dois la placer. Peut-être même qu'il y a plusieurs objets. Du coup maintenant là, si je passe le miroir, logiquement ça doit me ramener dans un nouvel endroit. Another photo. Ah bah voilà. Somehow it feels wrong to just leave them lying around. Moi, papa, Liliane et notre petite maison rouge. I feel like I should find somewhere to put it. Bah on est d'accord, tu dois les placer quelque part. Moi j'irai ici. Allez. This doesn't feel right. Bah ouais, c'est normal. I should try a different order. Alors, si je mets l'ovale ici. Non, attendez, putain, je suis con. Merde. Hop, et ensuite je mets celle-là ici. Let's go! The Rekovich family history. Alors, ça m'a libéré un truc dans la cheminée. Mais je peux pas y accéder, en tout cas pas dans ce monde là. Je vais retourner dans le miroir. I knew it. Eh oui. The dollhouse, the mirrors, it's all connected. Tout est lié, ma grande, c'est sûr. Very familiar. Locked. Four slots. I guess that means four butterflies. Ouais, quatre papillons, j'en ai déjà un. Il m'en manque 3. Peut-être qu'il va m'en manquer 2 si on a un ici. Yes. Donc j'ai fait la moitié. Alors là, il y a un truc à faire avec ça, mais je sais pas quoi. On va dire que c'est fait pour cette pièce. On va aller visiter la dernière. Qui m'a l'air d'être bah, une autre chambre. Feels like it's pushing me out. Like it doesn't want me here. Wait. I don't think this belongs here. Ah, ça vient peut-être dans la pièce de... Enfin, dans l'autre pièce, là où on était.
Allez. Il était pas facile à couper celui-là. Let's go, on en a 3. Et l'oreiller qui est ultra propre dans un décor sordide. There's something underneath. What is this? Tu sais, il leur manque. Party with the devil? Ouais, c'est trop ça. Il leur manque le visage. Donc là, il y a 3 poupées ici. Très bien. Bien mystérieuse ta baraque, ma chère Marianne. Du coup, j'ai le troisième papillon à placer. Et là, il y avait ça. Voilà, ici. Lily, I... No, it was not my fault. What the hell's happening to me? Ouais. Hope that's the last of them. T'es en train de tourner folle, ma grande. Dis-moi qu'il n'y a pas un ordre. Nothing. Ah putain. I must have messed it up somehow. Voilà. What about her? Leave her. Let her burn. Oh God. This looks eerily familiar. Ok, on a un masque. Y a rien d'autre. Hein. Enfin, je vais quand même vérifier avec ça. Non, c'est bon. Le jeu, il va nous laisser tranquille comme ça? J'ai des doutes. Du coup, il y avait un... le masque, je peux le placer ici. Maintenant, sur quelle tête il va ce masque? Je dirais celui-là. Pas du tout. Non. What the hell? Je sais pas, what the hell. Du coup, le miroir, je vais le foutre en bas. Peut-être un truc que j'ai raté là. Parce que sinon, je suis un peu perdu. Je sais pas où récupérer les deux autres masques. Là, il y a des... Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ce truc. Ça c'était... Ah oui, l'énigme des qu'on avait là-haut. C'est juste avec les nos 3 cadres des photos de famille là. Yes, yes, yes. Du coup, on va placer le deuxième masque. Et le troisième, j'imagine, c'est peut-être le masque de tristesse. The sadness.
Ok. Et le dernier alors ? Putain, il était juste en dessous de l'oreiller. Let's go. But I can't leave her here. She'll die. Remember, mommy. It's all her fault. No, no, no. She's my sister. And set me free. And I will save you both. What? Putain, je m'en suis sorti à... Damn it. That thing. It came from her. Quoi? Bought its way out with our life. Elle continue à parler, moi je pensais qu'elle était en vie, c'est quoi ce bordel? Putain, je recommence à partir d'où? Oh, j'ai peur. Attends. Tu te fous de ma gueule? J'ai quoi dans... dans mon inventaire? J'ai un masque? Il faut que je replace les trois masques. Ah, il y a quand même un petit bug ici au niveau des textures. Ils me disent d'appuyer sur R1. Oh putain, il faut que j'aille récupérer l'autre. What? Ok, l'autre, il était... il me semble que c'était le miroir en bas. Dans la cheminée, ici. Ah, ils me disent d'appuyer sur R1 pour me débarrasser des papillons là. J'ai beau appuyer sur R1 ici, il se passe rien. Donc je pense qu'il faut vraiment que je pense à courir très très vite au niveau du miroir. Enfin, pour prendre le miroir et me barrer quoi. Ah putain, c'était celle-là. Empêche, la sauvegarde automatique, ils sont un peu vaches. Hein. Ils auraient pu la foutre un peu plus... Bah, juste avant d'entrer dans le miroir, juste là. Ah, cette fois, c'est passé. It came from her. Bought its way out with our lives. Lily. She... I need to find her. Oui, tu vas la retrouver. J'en doute pas. Parce que de toute manière, c'est par là qu'il faut aller. Pour le coup, bah, je vais en rester là pour cette partie du Let's Play sur The Medium. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, le petit like, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très très bientôt pour la suite de nos aventures. Allez, bye !